Des solutions, des idées de réponses, on commence à percevoir des choses. Donc voilà, par exemple, bah, j'ai beaucoup de photos aussi sur des usages. Donc là, c'est trois amis à moi. On était du côté de Nantes et puis on va à la mer. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas allé à la mer. On habite à Paris, tout ça, donc on va à la mer. Donc on va à la mer, et puis voilà ce qui se passe. Lui, il faisait un. Comment ça s'appelle? Il était avec sa femme en visio et ses enfants. Il disait hey, regarde la mer, chérie, c'est super beau. Donc ça nous a fait rigoler. Et puis Kayline était. Il mettait ça sur Instagram, et puis Romain envoyait ça sur Facebook, une petite photo de la mer, etc. Donc c'est assez drôle, tout à coup, cette posture de chacun partage ce moment précieux pour lui, mais se retrouve dans des postures numériques, connectées, etc. Donc je trouve ça beau, d'autres diront c'est inquiétant, il y a quand même pas de paysage, ils vont en décalé, en déconnecté. Pourtant c'est la réalité, donc il y a des choses, voilà, c'est ça qui est beau à saisir. Donc c'est dans mon quotidien, j'observe ces choses-là que je trouve intéressantes. Après c'est sur d'autres cultures aussi, parfois. Aller chercher aussi des usages dans des pays, voilà, comme vous le faites sur la musique à l'étranger, etc., dans des pays qu'on ne connaît pas. Des gens font des choses très bizarres, qui me paraissent très farfelues, et pourtant c'est leur quotidien. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir aller chercher ça, l'appliquer, essayer de l'adapter, de le comprendre différemment, de se dire, tiens, oui, en effet, toute ma vie j'ai fait comme ça, et en fait il y a des personnes qui font différemment, et pour eux c'est leur quotidien. Donc d'essayer d'entrer en empathie aussi avec des cultures très différentes. Et je pense qu'en ce moment on en a bien besoin, avec tout ce qui se passe. On parlera plus tard, mais voilà. Et puis aussi des usages des jeunes générations, voilà, je trouve ça génial. Il s'est fait un home cinéma à la maison, c'est trop bien. Allongé dans le canapé, le smartphone avec la petite vidéo sur YouTube, j'imagine. Et puis la table en verre Ikea, voilà, donc c'est la situation. C'est parfait, quoi. Voilà. Et ça, c'est hyper surprenant, c'est génial, c'est très créatif. Si vous cherchez un petit peu sur Internet, c'est le mouvement Jugad. Jugad, c'est, on appelle ça l'innovation frugale hein, en Europe, c'est. On fait plus avec moins, voilà, c'est comment est-ce qu'on vend plus de voitures, mais en les faisant construire ailleurs. Bref, Jugad, c'est un mot midi, ça vient de l'Inde au départ, et c'est comment est-ce qu'on peut se débrouiller. Tristan Dito appelle ça la débrouillardise, la pitouillabilité, voilà, comment est-ce qu'on se débrouille avec ce qu'on a pour faire des choses créatives, nouvelles, et puis qui sont adaptées à nos usages, à nous. Et en l'occurrence, ça, je trouve cet exemple-là assez intéressant, assez amusant. Donc aussi, pour moi, la pratique en design, c'est aussi penser la fonction sociale. La fonction sociale, c'est ce que j'ai écrit tout à l'heure, c'est les usages que chacun a de son environnement, de son univers, mais c'est aussi la fonction sociale entre soi et les autres, entre soi et la société. Et tout à coup, quand on commence à s'adresser à une personne, à saisir ses particularités, son individu, sa façon d'utiliser son quotidien, etc., ben on voit des schémas. Parfois on dit, tiens, lui, il fait pareil. Tiens, il y a 10 personnes qui font pareil. Tiens, dans ma famille, ils font ça comme ça. Moi, à Paris, ça se faisait pas du tout. Et dans ma famille, dans le Nord, ils ont tous installé ça, ils ont tous utilisé ça, ils se retrouvent tous à tel moment, etc. Et donc, quand on commence à avoir des patterns, c'est là où ça devient intéressant aussi, c'est de se dire, il y a peut-être des choses qui sont en train de se créer, qu'on n'a pas sous les yeux. Et en ayant un aperçu ensemble de chacun des usages, on peut anticiper parfois, ou penser en tout cas, avoir une vision un peu plus globale de la société et d'entrer pas en empathie uniquement avec des gens, mais aussi avec la société, avec un ensemble de gens. Peut-être pas forcément toute la société, mais autour, sur sa communauté à soi, sur sa famille, sur un ensemble de gens qui ont travaillé notamment, etc. Et je voulais vous présenter trois petits projets que j'ai mis là. Je ne sais pas combien de temps il me reste exactement, je chronomètre pas, mais vous ferez des grands gestes. Hein. Je ne sais pas combien de temps il reste à peu près. D'accord, bah, c'est cool. On va faire des petits gestes alors justement avec ce projet-là. C'est un projet que je fais il y a quelques années, en partant d'un recette japonais qui s'appelle Ichigumi. Alors Ichigumi, c'est à l'époque on ne pouvait pas écrire, on ne savait pas écrire et lire, etc. Pour transmettre une émotion, un sentiment, on donnait une pierre à quelqu'un. Et en fait, le fait de. C'est très bien raconté dans le film The Departure, si vous voulez le voir, c'est un très chouette film. Et en fait, en fonction de la rugosité, le poids, la chaleur de cette pierre, sa couleur, etc., ça voulait dire quelque chose. Et en fait, ce que j'ai trouvé intéressant là-dedans, c'est que, évidemment, il y a l'émetteur qui a ses intentions, il prend une pierre lisse, douce, avec une jolie couleur, et il la donne à quelqu'un, et la personne va l'interpréter d'une autre façon.
il va l'interpréter, alors soit ça va coller, soit ça va être un peu différent. Et en fait, c'est ce rapport-là, c'est cette ambiguïté-là, moi, que j'ai trouvé intéressante quand j'étais dans le laboratoire de recherche à l'INSAT Lab, donc j'ai fait un peu de recherche pendant 2 ans. Et à partir de là, je me suis dit, voilà, cette idée est intéressante, j'aimerais l'appliquer au numérique, moi, ce qu'on peut imaginer, surtout nos smartphones, etc. Donc j'ai commencé à faire des carnets dans lesquels j'ai posé des questions aux gens qui utilisent leur smartphone, qui utilisent la communication en général, et donc j'ai donné les carnets avec des questions. Donc là, on m'a rendu le carnet complètement défoncé au bout de 2 semaines, avec toutes les réponses. Et en fait, le but de ce carnet, c'était de dire aux gens à qui je l'ai donné, à chaque fois que tu communiques avec quelqu'un de façon numérique, tu me remplis une petite page du carnet. Alors, que ce soit un SMS, un message Facebook, un message Twitter à quelqu'un, que ce soit un coup de fil, etc., etc., tu remplis une petite page du carnet. Et donc, dans ce carnet, il y avait des questions, où êtes-vous, comment est-ce que vous vous sentez, qu'est-ce que vous utilisez comme outil numérique, avec qui vous discutez, etc. Vraiment un travail de recherche assez global. Donc, bah, les gens m'ont fait des dessins en disant voilà, j'aurais bien aimé que cette conversation se passe comme ça, ou je ressens plutôt ça, je suis à tel endroit, donc je suis allé isolé pour discuter, etc. J'ai eu beaucoup de réponses intéressantes que j'ai synthétisées, etc. Et puis après, à la fin, ce que j'en ai fait, c'est que j'en ai fait une petite application qui s'appelle Nine, qui est toujours d'ailleurs en développement de projet, mais c'était vraiment un travail de recherche et de prototypage. J'ai pas voulu la mettre tout de suite en ligne, etc. Et Nine, le principe était très simple, pour aller voir sur internet, c'est neen.fr. C'était l'idée de pouvoir se glisser des petits messages comme ça. Donc je clique sur mon téléphone, je choisis Michael qui est là dans la salle, et puis je lui écris un petit message. Et puis, plutôt que de faire renvoyer dans mon SMS, je vais glisser ce petit message sur le rebord de mon téléphone, et lui va le recevoir sur le rebord de son téléphone même. Et donc le message va être partagé entre nous deux, et si j'attends et que je vois qu'il l'attrape, je vois que mon message disparaît, et Michael est connecté, il est en train d'attraper mon message. Je lui dis chouette, je vais attendre ma réponse. Peut-être qu'il va renvoyer le message tout de suite. Donc j'ai fait ce principe-là, juste ça pour essayer. Donc ce qui était assez magique, c'est de voir l'autre qui a attrapé son message. Donc tout à coup, il y a des gens qui sont amusés à laisser leur doigt sur le message et l'autre ne pouvait pas l'attraper. Donc tout à coup, ils lâchaient le message parti. On a fait des effets physiques comme ça. Ou d'autres qui glissaient leur message en disant par exemple « je pense à toi ». Et puis en fait, au bout de 5 minutes, un quart d'heure, la personne n'avait toujours pas pris le message. Bon bah je le reprends, et puis je l'enlève, je change le texte, je le supprime, etc. Donc en fait, j'avais la possibilité de reprendre le message, de le changer, puis de le reglisser. Comme une lettre sous la porte, en fait. À partir de là, j'ai commencé à itérer aussi sur des messages géolocalisés, c'est-à-dire que seulement quand je suis ici, la personne reçoit le message, ou des messages temporaires, toujours sur cette idée de « je pense à toi » ou « pense à prendre les enfants à l'école ». S'il est 18h, bon, bah, le message s'efface, c'est trop tard. Donc voilà, on a fait des messages comme ça temporaires, avec une durée de vie, pour un souci de sincérité. J'ai continué, et je continue un peu de travailler sur ce projet, et de pouvoir jouer avec la communication, je trouve ça plutôt intéressant. Toujours dans ces questions d'empathie, c'était un des sujets que j'ai abordé sur un projet professionnel. C'était le lien transgénérationnel entre les grands-parents et les petits-enfants et la famille en général. Et comment est-ce qu'on vient raconter l'histoire de ces grands-parents qui ont vécu plein de choses et qui nous transmettent ou qui ne nous transmettent pas, c'est pas évident. Et donc avec les établissements spécialisés, les EHPAD, pour les personnes âgées notamment, on a créé un projet qui s'appelle Ligne de mémoire, et c'est un projet dans lequel, vous allez voir après, je vous montre l'interface, les personnes âgées sont incitées, proposées, on leur montre une sorte de timeline, dans lequel, d'un côté de la timeline, il y a des articles de la presse, de l'époque, il y a des ouvrages de l'INA, il y a des vidéos, il y a des titres, enfin voilà, il y a plein de choses historiques, et de l'autre côté, ben, c'est à eux d'écrire. Et donc l'idée, c'était de faire quelque chose d'assez simple, comme ça, où à gauche, j'ai bah, tous ces articles de presse, etc., avec les dates, évidemment. Et puis en face, bah, voilà, mamie, qu'est-ce que tu faisais en décembre 1953? Pas évident de raconter ça. Par contre, mamie, tu te rappelles quand il y avait cette couverture ou cette chose qui s'est passée là? Ah oui, j'étais là, je faisais ça, je racontais. Et là, elle se met à raconter la partie. C'est la mémoire épisodique, je crois, qu'on appelle ça. On vient raconter des choses en séquence. Et donc on a fait ce projet-là pour les personnes âgées, donc avec des gros boutons, des grosses couleurs évidemment, on n'est pas du tout sur du flat design, des trucs un peu high, mais ça fonctionnait, et l'idée était, je pense, d'essayer de pouvoir connecter les gens et de faire en sorte qu'ils puissent se comprendre. Et puis un dernier projet que j'ai fait avec Jérémy Daria et Chiara, c'est des personnes aussi qui font Creative Mornings, mais à Lausanne exactement. C'est un projet qu'on a fait avec le Haut Commissariat Réfugié et ITO. Et c'était justement pour les réfugiés. Donc là, je suis allé interviewer pas mal de gens, dont Denise Ortiz, qui est quelqu'un du Haut Commissariat des Réfugiés au Québec,
C'est génial, il m'a raconté la situation des réfugiés, comment ça se passe leur parcours, et puis aussi la situation du gouvernement, la situation des organisations, comment ça se passe aussi de leur côté, avoir les deux côtés, et puis cette rencontre. Et puis à partir de là, j'ai fait d'autres interviews d'autres personnes, mais elle m'a vraiment tout raconté, elle est très enthousiaste, c'est-à-dire que, ouais, hein, il y avait des designers qui s'intéressaient à ça, ou qu'il y avait des développeurs aussi qui s'intéressaient à ça, waouh, c'était un peu bizarre pour elle. Donc après, on a interviewé des réfugiés, on a interviewé des associations, il y a Singa, une association qui cherche à transformer des réfugiés en entrepreneurs, donc c'est quelque chose d'assez audacieux aussi, pour essayer de comprendre un petit peu les mécanismes sociaux, culturels, etc. Et puis on a fait différents projets, donc moi j'ai fait des storyboards sur l'histoire d'un réfugié qui pourrait arriver, et puis ce qu'on pourrait lui donner pour qu'il puisse être autonome, se débrouiller, ou en tout cas faire en sorte que sa situation se passe mieux. Donc on avait commencé à prototyper un kit voilà, avec une carte, avec un guide des mots usuels, avec par exemple aussi on avait fait voilà, parce que les réfugiés n'ont pas d'argent, donc ils ne peuvent pas se déplacer, donc c'est très compliqué tout à coup pour avoir des déplacements, donc des tickets de bus pour une semaine, le plat typique de la ville dans laquelle on arrive, donc une fondue, voilà, pour avoir une fondue, avoir le fait de pouvoir se déplacer en vélo, etc. On a fait tout un ensemble de kits, en quelque sorte, dans ce kit on a tout un ensemble d'objets, toujours sous forme de prototype, parce que là on est toujours en train de l'élaborer. Et puis en parallèle à ça, moi j'ai commencé avec toutes ces idées que j'ai pu récupérer, j'ai commencé à créer Refugile. Donc Refugile, c'est quelque chose de très simple. Là, j'ai trouvé l'entreprise pour développer sur ce smartphone, donc je suis assez content. C'est un outil qui, juste avec les pictogrammes, on va pouvoir drag and dropper les pictogrammes, et puis on va pouvoir essayer de communiquer, parce que quand le réfugié arrive, il parle pas forcément anglais, français, et il y a des soucis de communication, et les interprètes, ça coûte très cher. Et donc, dans cette petite application Refugile, l'idée, c'est de pouvoir, on cherche un mot en anglais, en français, en arabe, ou alors même sans chercher le mot, on peut slider la liste de différents pictogrammes, et puis on peut dire, si on cherche, ça veut dire docteur en arabe, donc on peut chercher un médecin, et puis on peut tout à coup entourer, dire en fait, non, je suis médecin, c'est mon job, on peut écrire aussi sur les pictogrammes, et autant le réfugié peut le faire que les autres personnes peuvent le faire, et faciliter le dialogue, et juste essayer de communiquer un tout petit peu mieux que de ne pas communiquer du tout. Donc c'est assez minimaliste, ça sert juste à faire ça, et pour l'instant, on est en train de travailler dessus, donc c'est un projet qui est en cours. Voilà. Et puis voilà, je voulais terminer sur 5 petites façons de travailler son empathie. Alors, travailler, ça c'est demandé d'être fatigué, mais d'exercer, d'aiguiser son empathie, je ne sais pas comment on pourrait dire. Une stratégie, moi j'aime bien, c'est heureux les ignorants. C'est, j'adore être ignorant, pas savoir. Et ça c'est génial, parce que quand vous êtes face à quelqu'un et vous ne savez pas, et ben, la personne va pouvoir raconter. Et dans des situations de design, ce que j'apprécie faire, c'est que je suis amené à travailler dans les domaines de la santé, au sport, plein de thématiques très différentes. Et quand j'arrive, je fais celui qui ne connaît pas du tout. Et tout à coup, ça permet autant de savoir des choses, mais aussi de savoir comment la personne qui est en face de vous vous raconte, comment elle vit son métier, comment elle le voit, son métier, son univers, etc. Et ça, c'est presque aussi précieux que les informations purement formelles qu'elle vous donne. Donc, soyons ignorants, nous ne sachons rien, et c'est très bien comme ça. Poussez l'autre à la créativité. Quand vous discutez avec quelqu'un, très souvent, en réunion client, ce que je fais, c'est que je mets une feuille de papier entre la personne et moi avec un stylo. Puis des fois, la personne, elle ne trouve pas les mots, elle n'arrive pas à expliquer. Elle prend une feuille, enfin elle prend la feuille, elle prend le crayon, elle fait un dessin, elle dit ouais, je sais pas dessiner, mais à peu près c'est ça. Et pour moi c'est le sésame. C'est trop précieux parce que tout à coup, j'ai presque la réponse, l'idée, elle est formalisée sous mes yeux, maladroitement, pas de la bonne façon, etc. Mais ça y est, l'expression a pu se faire autrement que par les mots, mais elle a pu se faire aussi par le dessin. Et ça c'est vraiment très précieux de pousser l'autre aussi à la créativité. Vous pouvez mettre des Legos, de la pâte à modeler, enfin ce que vous voulez, hein, ça marche aussi peut-être, je sais pas, mais en tout cas le crayon et le papier, ça marche très bien. Après, il y a la règle des trois pourquoi. Ça peut, c'est quelque chose aussi que j'essaye de mettre en place quand, quand on vient m'aborder sur certains projets. C'est je demande pourquoi vous voulez faire ce projet, pourquoi vous avez besoin de ça. Donc la personne me répond une fois, parce que j'ai besoin. Etc. Et donc pourquoi vous avez besoin de ça. Et donc à chaque fois, on pose trois pourquoi, comme un escalier. Donc, à chaque fois, on prend sa réponse et on dit pourquoi. Et donc à la fin, on arrive aux fondamentaux du problème ou du sujet. Quand on commence à poser vraiment trois fois pourquoi, essayez avec vos enfants, avec vos amis, et donc tout à coup on commence à toucher plus loin des choses vraiment importantes. Pas des choses techniques, pas des choses superficielles, mais des choses beaucoup plus fondamentales, beaucoup plus essentielles. Et ça, c'est ce jeu des trois pourquoi, c'est pas vraiment une règle, mais c'est vraiment comme un jeu, et bien il est très constructif après pour savoir vraiment le fond du sujet. Et puis ensuite, il y a un avant-dernier point, c'est suivre les gens. Alors c'est un peu awkward, un peu bizarre de faire suivre les gens, mais si je pars dans la rue, il va y avoir des problèmes. Mais suivez du regard des gens, suivez, mettez-vous dans un café, suivez, peut-être parfois même dans le regard, regardez juste le comportement de chacun, les interactions, etc.
suivez les gens même dans leurs usages, suivez les gens sur des semaines, des mois, essayez de comprendre un petit peu tout ça. Tout à coup, vous allez voir ces fameuses routines dont je parlais tout à l'heure, et ces routines veulent dire beaucoup. Ce n'est pas juste sur un instant T, un usage particulier, c'est des routines. Et c'est de voir comment est-ce que chacun utilise, comment est-ce que chacun réagit sur un temps très long ou un temps très court. Et puis le dernier point, c'est partager ce que vous créez. Et ça, je pense que Creative Morning, c'est exactement ça aussi. C'est, on fait tous des trucs, on fait tous des choses, mais si on les garde dans un tiroir ou sous notre lit et qu'on les montre jamais, c'est dommage, ça ne sert à rien, c'est comme si, hélas, ça n'avait jamais existé. Faire un projet magnifique dont personne ne se sert, c'est vain. Par contre, faire un projet moyen qui marche un peu, mais dont tous les gens se servent, mais vous avez partagé, à, même si une personne s'en sert tous les jours, c'est génial. S'il y en a 1000, 100, 100 000, c'est fabuleux. Donc on a des responsabilités là-dessus, il faut le partager, parce que quand vous partagez, vous vous donnez des choses, et surtout vous avez en retour l'empathie des gens envers vous. Donc c'est 5 petits éléments, et puis je voulais juste terminer sur cette phrase-là, qui est pour moi assez importante en tant que designer, c'est que tout acte design petit, ça doit être un acte éthique, donc il y a des valeurs derrière, sensées, parce que ce ne sont pas des actes gratuits, purement inutiles, et profondément humains, parce qu'on fait ça pour des gens, pour des humains, pour des usages, pour vous en fait, voilà. Donc, je vous remercie et puis n'hésitez pas si vous avez des questions, je vous fais des questions.